charge of the squad. Gotta say, I'm impressed at how quickly they were able to change their tactics on the fly. Wait, Raz? What are you doing in the Edinburgh Army? We enlisted together to protect Galia. No way! Lena? Small world, huh? Lena? Oh, sorry. I'm going by Kai now. Wait, Kai? But that's your... Riley. On sait pas ce qui se passe. I don't really get it, but okay. I'll call you Kai. Anyway, it's so amazing to see you. What are the odds of seeing old friends in a foreign war zone? On est en guerre, c'est magique. Beats me. How'd you end up in joint operations anyway? Since you asked so nicely. I'm Lieutenant Riley Miller. After majoring in Ragnite Engineering, the Army brought me on as an artillery advisor. I've been temporarily transferred from the field artillery team for this joint operation. As long as I'm here, I'll provide the fire support you need to take down the Empire. My knowledge is your power. Just what our squad needed. We appreciate the support, Riley. So, where's the commander? I wanted to introduce myself. About that. It's not just us two in this squad. Huh? You mean Kai's here after all, or...? Riley? I'm the commander of Squad E. Oh, you're pretty young for an officer. But I was impressed out there. My knowledge is your... Ils sont tous super jeunes. Ils ont tous entre 20 et 25. Ah. Claude Wallace. Oula. Ils s'aiment pas. Is that all you have to say? I can't believe I took orders from this coward. Screw that. Well, wow. C'est bien du manga dans un sens. Genre tout le monde est joyeux et la seconde d'après tout le monde est triste. Tout le monde après c'est tout le monde est énervé. C'est énorme. Oh mon dieu. Vous savez que vous avez des ordres, vous êtes dans l'armée. Vous pouvez pas faire ça. Chapter 2. The liberation of Rain. La libération de Rain. For meritorious action in capturing Fort Crest. You've earned this medal. Ah. Et de deux. Listen up, everyone. I'd like to introduce a new member of Squad E. Connor Doherty. I'm writing a book. A war story. Nonfiction. It's good to meet you. Ryan Fort, mercenary. You pay, I shoot. Lui est sympa. Claude a éveillé un nouveau potentiel. Gêne. Gêne. Ah, oh, je suis sûr qu'il peut pas être à côté d'elle. Ah, oh, je suis sûr que c'est ça. Je suis sûr qu'il doit avoir un malus, il est à côté de l'autre. 2 months since the start of Operation Northern Cross. The Federation's elite forces, Squad E among them, were driving back the Empire, one victory at a time. Yet, the further they cut into Imperial territory, the more tenuous the supply chain. And so, the Federation Army established a series of massive outposts along the front line. Among them, Lindbergh Base, commanded by the 101st Division,
This outpost would prove itself a vital logistics hub in the battles to come. Wow. This is our new base? It's incredible! Putain. Apparently, these facilities can accommodate over 3,000 soldiers and 100 tanks. On top of that, they have enough food, fuel, and ammo to supply every squad on the front line. Impressive. More like a dream come true. If I didn't know better, I'd think we were still in Federation territory. I guess the brass can get stuff done, when they actually try. What's the deal, though? They got all these resources and we're still stuck with one busted-ass tank? Je suis bien d'accord. Excuse me? Our squad takes excellent care of the Hoffman. I have to admit, this really puts the scope of our mission into perspective. Hell yeah! With this much heat, the imps are gonna feel the burn. No, we've barely seen the tip of the iceberg. Even all this might not be enough. Oh, you think? A way to rain on our parade, Commander. Ils prennent tous de la drogue, je pense. We got some weird get-ups. Oh, those are Navy uniforms. That's a surprise. What are naval troops doing this far inland? Well, I salute them for swimming all the way here. Whoa! Wow, la blague. Check out the ass on that one. I'd swab her deck. Wow. Hold up, Raz. I'm just gonna say hi. Break the ice, you know? Ça serait drôle qu'après ça soit sa sœur ou un truc comme ça. Ça serait drôle. Ça serait comique. He's hopeless. I just hope he doesn't get into trouble. Don't hold your breath. Yeah. Anyway, we still have some time before the meeting. I'm gonna go take a look around. Yeah! Alors, le mode livre, c'est pour continuer. Après, choisir mon escouade, modifier leur équipement, entraînement. Et R&D, entraîner les unités, développer de nouvelles armes. Ah, oh, R&D. Wow, Claude! Look at all these weapon parts! Perks of working in a Federation forward operating base, huh? We can develop new weapons here. If there's anything you ever want to upgrade, just give me a holler. Tank armaments, infantry weapons, anything. We'll build all kinds of new weapons and make our team even stronger. Ouais. Et on doit payer de notre poche. C'est énorme. C'est pas l'armée qui est censée nous approvisionner. Alors, nouvelles armes sont déverrouillées selon une progression dans le jeu. Alors, changer l'équipement, installer des pièces de char, déployer des pièces de char et développer de l'équipement. Alors, si je me rappelle, ça fait une sorte d'arbre en fait. Quand on développe des nouvelles parties de. Enfin, des nouvelles armes. Fusil. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Alors, on a le Robinson. On a le M1, ça c'est pour les. Comment ça s'appelle? Ingénieur. Tirs, 5 tirs. Il y a plus de portée. Donc, après on a les anti-chars, les snipers. Mortier. Grenades et les armures. On peut aussi. Ah oui, les armures de chaque classe. Tenue de combat, anti-explosion et la standard. Ok, cool. Sorry, but this one's a bit out of our league for now. On peut faire juste les armures. Bon bah go. Whoa, it turned out great! Hey,
Let me snap a quick picture before you run off with it. Ah mon dieu, mais... Wow, a masterpiece! Masterpiece! Wow, a masterpiece! Almost seems like a shame to use it. Bizarre ces gens. Wow, it turned out great. Hey, let me snap a quick picture before you run off with it. On est à la guerre, mec. Wow, it turned out great. Oui, je sais comment ça marche. Alors, caisse renforcée 1. On a munitions. Alors, plus d'antipersonnel, anti-blindage. Et là, on a plus de PV, Riva industriel. Ah, c'est 2000. J'ai un peu tout balancé dans le dans les mecs, en fait. Amélioration de la visée. On va peut-être faire ça. Et après, là, on a rien. A masterpiece. Visière par balle. Wow. Masterpiece. Oui, je sais. Permis d'apprendre, permis de ranger, permis d'apprenti. Là on a de la précision. Oh ça c'est cool ça. Je savais pas que c'est. Le début c'est toujours un peu. Ouais ouais non, moi j'aime bien moi. On a plus de défense. Bon, pour l'instant on n'a pas trop de problèmes niveau niveau dégâts dans, sur le char, donc ça va. Ah changer d'équipement, merde. Retour au R&D. Oh, hey Claude. Ça va? Alors, Claude. Bon, pour l'instant, toi, t'as rien d'autre. Ok, ça marche. Raz. Ok. Ils servent à quoi les éclaireurs, vraiment? Armure légère. Ah, c'est ça qu'on parlait entre les éclaireurs et les... Et les ingénieurs, il n'y a pas trop de différence. Enfin, les ingénieurs sont mieux parce qu'ils peuvent ravitailler, quoi. Esquive 19, elle a 140 PV. Je crois qu'ils peuvent courir très loin, par contre, non? PA 800. Pff, ingénieur 700. Ouais, très utile pour Rush, j'imagine, mais en tout cas, pour les stats, il n'y a pas grand-chose de différent, en fait. Ah, ils ont plus de précision, ils sont là pour tuer, quoi. Mais... Ouais, ok. Ah, done already? Drop by whenever. Bah le déplacement c'est simple, l'ingénieur il a 700 et l'autre là il a 800, donc c'est quasiment la même chose. There you are, Claude. I've been charged with Squad E's training. As ranking lieutenant, I'll be giving strict instruction to each combat class. The experience you gain in the field goes towards refining our abilities.
I want to see growth from all combat classes. Ouais, ils ont les mêmes armes, les mêmes tenues, tout ça, sauf que... Ouais, voilà, les éclaireurs, ils ont plus de précision. Dans l'un, les éclaireurs débloquaient un lance-grenade. Ah, ça peut peut-être être utile. Each time a class makes a breakthrough, every squad member of that class will show improvement. Ça peut faire la grande différence, du coup. Parce que pour le moment, on n'en a pas trop. Now show me what you're made of. Potentiel de combat, ordre, grenadier, sniper, ok. Je sais pas qui mettre. Soldat d'assaut. Come now, is that the best you can do? You've leveled up, so to speak. Good work. Come now, is that the best you can do? Arrête de me gueuler dessus à chaque fois, parce que bon, c'est un peu embêtant quand même. Potentiel de combat en plus. Well, well. Your shock troopers have found a new potential. Oh. Ça veut dire quoi, ordre? Je suis tenté de... Ouais, faudrait les monter de niveau. On verra, on va voir. Just do it. Ok, Shy le buff. You've leveled up, so to speak. Your troops have crossed a threshold today. You're clear to learn a new order. Vous avez appris bonus d'esquive, cette augmente l'esquive d'un allié. Quoi? You're not done yet. Tant qu'on y est, on regarde les ordres. You've leveled up, so to speak. Bonus d'attaque. Cool. Ah, j'ai dû... Let me tell you about potentials and orders. Oui, j'allais regarder liste des potentiels. When combat classes rise in level, sometimes the soldiers show new potentials, or you might gain access to new orders. Mm-hmm. You could say potentials show your soldiers' traits and tendencies, or at least how they manifest in battle. Orders are commands that you alone can issue in combat, either to individual soldiers or your squad as a whole. The thing about orders, actually, maybe you'd learn better through practice. Use your orders judiciously and you can tip the scales. Watch the flow of battle and command with discretion. That's all from me. I expect nothing but the best out of you and Squad E. Est-ce qu'on peut s'entraîner en combat? Est-ce qu'on a libéré ça ou pas? Nouvel épisode, compasse à R&D, quartier général. Ah, escarmouche. Le mess. Quartier privé, nouvelle escarmouche a été déjà ajoutée. Personne n'a été mis à jour. C'est bon? C'est bon. Oh la vache! Ah, je peux aussi refaire l'émission, ça je m'en rappelais plus. Escarmouche. Yes! Alors, on a Connor qui est là. Ok.
Équipement, on est bon. Pièces de char, on est bon. Placer les unités. Alors, Claude. Ouh là, on est beaucoup. On peut mettre un deuxième tank ou alors le déplacer. C'est vrai qu'on regarde nos personnages en fait, d'abord. Gêne, la proximité de Riley le rend nerveux et réduit son attaque anti-personne. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Je vais refaire pour en voir un. Ah, ok, ça marche. Bon, ne pas mettre Riley à côté, ça marche. Compétence au corps à corps, prisonnier ennemi augmente l'esquive. C'est cool. Douleur par la proximité d'un allié tombé lui rappelle son fils et diminue ses PA. Proximité d'une unité alliée, il se sermonne et se déconcentre. Rebecca, regret. Secourir des alliés lui rappelle des échecs passés et la rend incapable d'agir ensuite. Ah mais t'es nul! Conservatrice, elle préfère garder son Regna que de l'utiliser sur un allié blessé léger. c'est la personne dans... Genre dans Battlefield qui joue perso quoi. Proximité d'un char augmente sa défense. Voir un char allié détruit diminue sa précision. Bon ça va pas arriver. Son travail lui donne trop de plaisir, ce qui diminue ses PA quand il répare un char. Putain, mais c'est quoi ces gens? Ah, probabilité définie d'obtenir des munitions supplémentaires, droit à l'erreur. Parfois, sur le champ de bataille, la situation dérape et réduit sa précision. Oh putain. But tombant à proximité, réveille des traumatismes, réduisant sa puissance d'attaque. Oh la vache. Son inspiration d'écrivain augmente sa précision et sa défense. Peut diminuer la puissance d'attaque anti-char, bien qu'il affirme que c'est pour l'expérience de la guerre. Auteur mal aimé, pire que l'angoisse à la page blanche, le critique du monde moitié de CP de défense diminue. Mais c'est horrible des fois de se faire des équipes avec ces gens-là, ils ont tous des choses bizarres. On va garder Riley parce qu'elle peut récupérer des munitions. Je pense. Et puis elle fait un peu partie de l'histoire, on va dire. Kai, on la garde, elle est cool. Pour l'ingénieur, on va passer à Olar et pas Rebecca, parce que Rebecca, elle a trop de trucs chiants. Lui, il est pas mal, mais solo, en fait. Comment doit faire ses ennemis qu'augmente son attaque. Photo de famille, penser à sa famille, augmente son esquive. Découvrir un ennemi, diminue sa défense. Échapper belle. S'il manque le point faible d'un ennemi, il le laisse parfois vivre au lieu de le tuer. T'es sérieux? T'es qui toi? Masque de fer. Son masque de fer protège des dégâts critiques des contre-attaques ennemies. Ah, ça c'est cool ça. Mauvaise visibilité. Il est difficile de voir à travers le masque de fer, ce qui diminue sa précision de tir. Oh mon dieu. Être sous le regard de nombreux ennemis, la stresse, ce qui diminue sa défense. Subir des tirs d'interception augmente la défense. Pouvoir de régression du Ragnarok sont parfois augmentés. Mon dieu. Il va falloir que je sorte un papier et un crayon et que j'écrive ceux qui peuvent jouer ensemble. Parce que là, c'est un peu la merde. Allez, on va passer les unités, sinon on va jamais jouer. Lock and load. Alors, Claude, Kai ou Zaig. Ouais, eux, ils ont une bonne team. Here I go. On va peut-être se faire défoncer parce que ils disent qu'il faut deux tanks. Donc, on va voir.
Let's do it. Stay calm and focused. I've got this. Riley, Cazeneige et Laurent. Ready and waiting. On a mis Laurent déjà sur le combat. C'est cool. Non, il y a Curtis là. Let's go. Ouais, ça m'étonnerait que ça soit extrêmement dur aussi au début. My turn. C'est pas super bien placé, j'aurais dû mettre le... l'éclaireur en avant. Let's go. Lock and load. Allez, go, on y va, on y va. Par contre, je peux pas remplacer l'unité tank par une autre unité, ça c'est un peu con. Eliminate the enemy. Squad E, move out. Let's go. C'est fun ce jeu, c'est drôle. Alors, éclaireur, soldat d'assaut, on a deux camps. On a tout ça en réserve, ça marche. Ok, moving out. J'entends des tirs vers l'arrière. Je sais pas d'où ça vient. Là, je sais pas à qui. Il y a un sniper là-bas. Enfin non, c'est des éclaireurs, mais il est loin. Bleu. Non, je voulais que tu tombes à gauche. Ah, voilà, merci. Kai, on a besoin de toi. Regardez-moi ces fesses. One shot, all I need. Sniper wall. It's all mine. I should have expected as much from you. Derrière le temps. Moving out. Nice to feel dirt under my feet. L'aime la nature. Précision souris. There. Enemy down. All allies have been taken. Allez, comment on donne des ordres? Commander. Non. Ordre. Bonus d'esquive, d'attaque, de défense. Je peux donner à n'importe qui? Yes. Parfait. On va utiliser, on va tester. Aladdin, ouais. Call the shot. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Bullseye. Bullseye. Oh, did you fall for me? Pas mal. I got this. Le héros. Les trois amis sont là. On les garde ensemble.
T'es sérieux? Ah ben putain. Leave it to me. Stop calling me cute. Bizarre avec les filles. Don't give up yet. Understood. Pam 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 pam. Hey Curtis. Faut que tu brilles. There. Merde. T'as merdé Curtis. Fallait que tu montres que tu es un très bon éclaireur et là je me serais dit ah tiens la classe est cool. Moving out. Mais t'as un peu merdé. Going down. Okay, moving out. On va avancer le tank. Excusez-moi, désolé. Excusez-moi, pardon, pardon. On n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin de ça. Bon bah ça va. Quoi, ça c'est un éclaireur? Un éclaireur. Tu veux pas trop tirer, mec? Parce que je sais pas ce que tu vas faire là, mais. Here comes the pain. Here comes the pain. Commencing counterattack. Follow my lead. En théorie, il n'y a plus personne. Tada! Opération terminée. Je vois pas trop pourquoi on avait la place pour deux tanks. Hein. We've taken the enemy base. Mission was a success. Yeah. Good. Good, good, good. Oh, hit. Wait, 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 wait. Ta-da! Là, on a juste augmenté la vie, on n'a pas besoin de... On n'a pas besoin de rajouter la pièce, en fait. C'est bon. Parfait, on va vite faire un peu d'entraînement. Good to see you again. Now show me what you're...